Je sais que t'es triste, moi aussi je suis triste. Bah dis-moi ce que je dois faire. Ok, je te fais une proposition. Je t'envoie dans la maison de mon père, franchement c'est magnifique. Quand tu dis magnifique, tu veux dire froid et humide, hein? Voilà. Pardon, doucement, pardon, Pierrick, je suis un pote de Tessa. T'as faim? Ce sont des bananes. Ça, c'est une banane? Bah oui. Est-ce que je peux voir ma chambre? C'est quand même ouf que ma meilleure amie soit ta demi-sœur, quand même. Bon, tu m'imaginais comment? Bah, comme elle t'a décrite, grosse et moche. Ça m'a tellement... Oui, oui, oui. Tu veux dire que si j'avais pas été lesbienne, tu m'aurais bien baisé? Hein? T'as dit quoi? Je sais pas. Putain, c'est génial. Eh ben, bonne nuit, hein. Bonne nuit. Oh putain! Bella! T'es d'accord? Mais pour qu'elle ne sache jamais, ma belle. Je crois que je vais pas rester, mon chou. T'es avec ton pote. Mais justement, on peut se faire une petite soirée. Mangez-moi. Toi, t'es sa sœur, moi, je suis son meilleur ami. T'étais moins coincé hier soir. J'ai souri. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Enfin, tu vas pouvoir avoir un enfant. Ouais. Tu aimes bien Pierrick? Pourquoi? Parce que je crois que je suis amoureuse de lui.